Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec les elfes sylvains. On se retrouve pour continuer notre aventure. Et j'ai fait un petit tour. On a plusieurs opportunités possibles dans 3 tours quand les racines du monde seront actives à nouveau. Ici j'ai vu que le gobelin, enfin l'orque, le pot vert, a totalement abandonné son arbre. Il semble encore assez costaud, avoir au moins une armée, mais il est isolé, je sais pas où est son armée. Et il est en guerre contre des gens qui pourraient avoir envie de prendre cette zone. Donc ça pourrait être pas mal de leur piquer avant qu'une province, un truc un peu plus costaud passe. Et on a également le camp d'Orion qu'on avait spoté la dernière fois. Qui en fait, je pensais qu'il était parti prendre autre chose, mais non, il a visiblement plus rien. Il est complètement dans le mal. La question se pose parce que si on y va et qu'on prend la ville, bah il n'y aura pas vraiment de confédération quoi. L'idéal ce serait que genre ils sortent une petite armée et puis qu'on soit capable de le choper, mais ça m'étonnerait. Donc éventuellement une opportunité là. Sachant que lui c'est compliqué en général parce que c'est land. Il y en a un peu là qui appartient à Krogar, un peu là qui appartient au Nain, un peu là qui appartient à Manfred ou au Khemri, un peu là qui appartient à Tlaka ou à Tzinch. Donc en général, il faut rentrer en guerre contre plein de monde. Mais visiblement, il est en guerre que contre Manfred. Et Manfred a l'air de s'être bien étendu tout autour. Il a même l'air d'être sacrément puissant, si j'en crois la tache rouge. Enfin, sacrément puissant. Moins que dans notre partie vampire, mais quand même plutôt pas mal déjà pour une IA. Prendre les landes, ça impliquerait qu'une seule guerre. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? De toute façon, c'est dans 3 tours. Ce sera probablement Chobiti qui s'en occupera parce que les sœurs, elles ont encore du taf de leur côté. Il faut quand même réussir à mettre au pas Erdman. Probablement les ogres, même si ça me paraît pas être non plus fondamental. Et peut-être Kugas. À voir ce qu'on en fait de lui. Parce qu'on fait un pacte, mais c'est un chaotique, donc ça me paraît une mauvaise idée. Donc à voir éventuellement. Si on pouvait raser ce truc-là et puis plus avoir à faire avec lui, ça m'arrangerait, mais j'y crois pas une seule seconde. Donc je pense que là, on a encore du travail pendant un petit moment sur ce front-là. Par contre, Chobiti commence à avoir fait le taf. Éventuellement, j'aimerais bien prendre ça d'assaut, mais je suis pas sûr qu'on soit capable de le faire en fait, tout simplement. Est-ce qu'il acceptera une paix? J'ai pas regardé. Parce qu'à la limite, une paix avec eux, c'est ce qui serait serait le plus intéressant. On n'a pas une armée suffisante pour aller là. On a 3 tours pour retourner ici, refaire une armée et gérer éventuellement prendre le chemin des racines du monde. Donc en vrai, une paix, ce serait pas inintéressant. Ce serait franchement pas inintéressant. Donc du coup, ce qu'on peut peut-être faire. C'est qu'ici. Ouais, après, ici, du coup, on laisserait tomber ça et on ferait une pierre gardienne ou ce truc-là. On peut tester, hein. Prochain tour, on voit pour lancer un assaut. On pourrait même le faire maintenant. On va tenter. On va déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ce serait une défaite valeureuse. Il y a Metabol qui est là, ok. Et des trucs bidons. Ils sont ça sur une défaite valeureuse. Qu'est-ce qu'on a? Du lancier. Deux coureurs nocturnes quand même. Un peu de guerrier des clans avec bouclier. Nous, on a deux héros. On a une quantité de tireurs décente, même si pas ouf. Une ligne de front correcte. Eux qui seraient capables probablement de découper un petit peu des scavens à droite à gauche. Il a quoi? La menace souterraine. 6 invasions de guerriers des clans quand même. Hein. Je sens qu'on est full magie. On pourra tenter. On va tenter déjà d'assiéger. Ouais, on va tenter d'assiéger. Comme ça, il peut pas recruter. Peut-être que ça suffira pour le faire un peu flipper, le mettre dans le mal. Et donc, je pense qu'ici, on va prendre le dresseur d'animal. Si on recule, bah au pire, il nous restera pendant quelques temps. Si jamais
Si jamais on arrive à prendre ça, on pourra faire une pierre gardienne ici. Toi, t'es en guerre contre le clan Gritus, j'imagine. Ouais. Au pire, on pourra la laisser Morati s'en occuper, hein, mais. Il y a peu de chances qu'on puisse devenir pote avec Morati. Alors, vous m'avez demandé déjà ce qu'il y a ici, au sud-est. En général, il y a de l'elfe noir. Souvent, Morati se pointe et nettoie, mais là, pour l'instant, on a une faction d'elfe noir mineur qui a l'air de s'en tirer pas trop mal, mais qui a perdu ce truc ici, donc je sais pas pourquoi. Elle, ouais. Seul le devoir m'empêche de vous tuer, menace, mesurez bien votre chance. On n'a pas envie d'entrer en guerre contre elle, hein. Ça me ferait chier qu'elle remonte et puis qu'elle aille attaquer notre arme complètement juste pour le plaisir. Ouais, on va tenter ici de commencer à assiéger, voir s'il sort de sa ville et qu'il tente de nous tomber dessus ou pas. Au pire, on se reculera si nécessaire. Ici, on attend un petit peu. Et alors, au niveau de la forge de Deist, j'ai vu qu'on avait un bonus. Ici, on pouvait améliorer notre masque de l'aigle pour gagner 20% de taux de recherche. Mais si on le reforge, on gagne 75% de taux de recherche. Alors, on gagne des bonus intéressants. Le personnage peut voir les ennemis qui se cachent dans la forêt, peu importe la distance. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour les combats en forêt. Mais 75% de taux de recherche en plus, pendant 5 tours pour 2. Je pense que c'est un truc que si on peut l'avoir actif pendant toute notre campagne, ça peut être très très bon. Alors on est d'accord qu'elle l'a bien rééquipé, très bien. Repérage en forêt plus 5000. Et donc là, on a 195% de taux de recherche, donc ça devrait nous aider. Alors je sais pas si ça s'est mis à jour tout de suite parce que c'était 5 tours ça. Je pense qu'il y a moyen que ça aille un peu plus rapidement. On va voir ça, on va passer autour de nos ennemis et on va jeter un œil. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est lui. Morati, pourquoi pas. Ok, elle se rapproche. Ah, elle pourra nous aider en cas d'assaut, ça veut dire, éventuellement. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors lui il progresse, donc il va falloir qu'on lui tombe dessus. Peut-être avant son armée de renfort arrive, ok, on va voir ça. Là on galère à se débarrasser de la corruption, hein. Qu'est-ce que tu veux toi? Un pacte de non-agression? En vrai, pourquoi pas, le problème c'est que t'es en guerre contre le culte du plaisir et que j'ai pas envie de mal me mettre avec lui, donc non. On va refuser. Ok, le Skaven ne nous a pas attaqué. Oh, il a fait une confédération lui avec eux. Bah c'est limite, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. On est débarrassé du coup des ogres. Et on a une pierre gardienne là, c'est parfait. Par contre l'autre forcément il s'est mis juste hors de portée. Enfin il est à portée mais il va probablement reculer, encore qu'il pourra accepter le combat. Donc là, notre ami Hellman, il a des zombies. Mais il faut savoir qu'Hellman, c'est un seigneur légendaire qui est spécialisé dans l'utilisation des zombies. Donc vous voyez que ces zombies de base ont 30 d'armure, ils ont des attaques empoisonnées, ils ont quand même 38 de puissance des armes. Hein. Ce qui pour du zombie est quand même très bon, bon c'est pas ouf hein, mais ça les rend quand même relativement potables, surtout pour leur prix. Avec un commandement équivalent au squelette en plus. Du coup, faut pas négliger ces zombies. Bon, ça reste du zombie, hein. Pas non plus en faire croire que c'est un truc de fou, mais bon. Ça peut jouer. Alors ici du coup, elle est trop loin. Hein. Oui, elle nous accompagne pas, donc nous c'est pas grave, on va continuer le siège, de toute façon on a rien pour lancer l'assaut pour l'instant, donc. On verra, si elle décide de s'approcher, de nous aider, bah pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Nos revenus sont ce qu'ils sont. Donc ici, bah, je pense qu'il faut qu'on tente l'assaut. Hein. Ça sent le piège, hein. Il s'est mis là juste pour que on ait envie de l'attaquer et que derrière on se retrouve en pleine corruption vampirique, hein. C'est quasiment sûr. Néanmoins, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille.
Ah, il prend la bataille. Ok, il prend la bataille. On va la faire, elle va être sympathique, je pense. 95 de magie, 100 de magie de notre côté. On a toujours notre grâce ici qui nous donne un petit bonus de résistance physique pas dégueulasse. C'est parti. Et de toute façon, il faut qu'on gagne des trucs de la forge de Dace là pour pouvoir nous booster. Alors, il a une machine mortis par contre de base. Régénération masse, il a deux hordes des cryptes, mais nos archers devraient pouvoir s'en occuper. Des ghouls des cryptes pareil. Le roi revenant peut être gênant. On n'a pas grand chose pour le gérer au corps à corps. Éventuellement les dryades. Hellman, il faut qu'on le. Pareil, qu'on le crypte de flèche. Hein. C'est pas mal, 20 de magie en avant. On a une position qui est franchement pas mal pour le coup. On a une position qui est très très bien. Les zombies, les zombies, des zombies. Le roi revenant est tout à droite, ok. Les loups funestes du lancier, très bien. Alors du coup, on pourrait limite se mettre direct là, plus proche. Alors le problème, c'est lui, hein. Est-ce qu'on peut déployer? Oui, on peut déployer notre capitaine de clairière en avant-garde également. Donc là, on découpe du zombie. Bon, c'est pas ouf. C'est un peu pour ça que sont faits les zombies, hein, encaisser les tirs. Donc c'est peut-être pas idéal. On pourrait se mettre. Alors si on veut avoir un tir, faut quand même qu'on se mette très proche. Hein. De toute façon, ce sera sur des zombies. Un peu d'horreur des cryptes, un peu de guerrier éventuellement. Et là c'est bloqué ici, donc ça, ça couvre notre flanc en vrai. On enverrait eux courir devant, pourquoi pas. On peut aussi déployer eux en déploiement de l'avant-garde. Pour balancer peut-être de la flèche de Kurnus sur ces trucs là. Vous avec votre dragon, vous avez quoi? On peut appeler donc l'aigle. On a le souffle soporifique, on a deux carquois de l'aigle, l'épée tueuse de héros. Le tir comme ça, très bien. Toi, ouais, vous êtes censé perdre contre ça. Est-ce qu'on a quelque chose qui est censé plus ou moins gagner? Les archers, ouais, au corps à corps, non. Ouais, c'est le roi revenant, il va être compliqué je pense. Toi on va t'approcher, on pourra déployer la dryade dans la forêt, pourquoi pas. Ça pourrait leur faire une petite surprise. L'aigle. On va le mettre là. Je pense que l'aigle, on l'enverra s'occuper des loups funestes, peut-être. On va mettre un Wardancer là. Et les Breakdancers de guerre, on va les mettre ici. Pour couvrir ce flanc. Char magique, régénération en masse, ouais c'est du bourdon maudit, donc il a deux trucs de régénération plus ses sorts, il est quand même level 12. Et de base il se régénère, hein, Hellman Ghost. Il a quoi comme sort pour l'instant? La danse macabre, l'invocation, le Liber Noctus. Hein. Oh, 240% de régénération de puissance, mais en échange il se prend des dégâts. Ok, et moins 30 secondes de temps de repos de réduction des sorts. La vache. Mais par contre il se met des dégâts, mais avec sa régénération ça match très très bien. Le reliquaire de corruption, c'est lui qui a ça ou c'est Ah mais c'est un sort. Ah non c'est pas un sort. Il fait des dégâts, s'il est en mêlée il fait des dégâts à tous les ennemis autour. Waouh la vache, il vénère le monsieur quand même. Hein. Alors c'est parti. On va essayer de se débarrasser de ces unités. Rapidement, là vous pouvez tirer sur ce que vous voulez. On va tenter une petite flèche là-dessus pour voir. Là, on va balancer nos flèches. On va les inverser eux. On va balancer nos flèches sur les horreurs des cryptes. D'ailleurs, j'ai pas vu les ghouls des cryptes, elles sont où? On les voit pas, hein. On les voit pas, ok. Vous, il faut courir. Pour tenir cette ligne, peut-être pas aussi proche. Ici, ça suffit. Ces deux-là. J'aimerais que vous veniez là.
couvert par les danseurs de guerre. Toi, tu vas direct te charger là-dessus parce que je pense qu'ils vont se mettre en marche rapidement. Toi, tu vas couvrir le flanc. Et ici, on est parti. Allons-y. Nettoyons un petit peu du monde. Ok, ça fait le taf. Nos troupes ont découvert des ennemis cachés. Ok, il y a lui qui charge, sans surprise. Toi, si tu pouvais éventuellement me le sniper, ça m'arrangerait. Toi, faut que tu cours devant aussi. On a laissé personne derrière, c'est bon. Très bien. L'aigle en avant. Toc, toc, toc. Ici, on recharge. Alors, toi, du coup, tu peux lancer ton souple soporifique. C'est à cette distance-là. On peut invoquer l'aigle. Pour aller s'occuper d'Elman en avant. Ouais, on les défonce quand même. Hein. Les ghouls des crypts sont là. Ok, parfait. Je vois. Donc on va changer un petit peu notre ligne pour aller là. Là, on est en train de se placer. On n'est pas encore en position. L'aigle, il est sur les loups funestes. Parfait. Là, ils attaquent ça. Bon, admettons. On va profiter qu'ils sont accrochés. Il y a une goule des cryptes là. On va lancer direct l'assaut. Toi, j'aimerais que tu te rapproches de l'action. Ils ont bien pris là. Ouais, vous, j'apprécierais que vous me défonciez ça en vrai. Ah, nos archers vont être engagés. Faut qu'on recule nos archers. Là, ça passe, mais de justesse. Ici, on a les zombies à gérer. Alors ici, on est en position. Faut qu'on dévale la pente. Qu'on se débarrasse de ça. Vous, toi, essayez de sniper ça, dis donc. Et vous, gérez ça. Les chauves-souris, elles attaquent mes... Comment ? Mes aigles, mais j'ai confiance qu'elles devraient gagner. Enfin, que mes aigles, en tout cas, devraient gagner. Ici, on pourrait cracher sur ça pour voir un peu ce que ça donne, ce souffle. Ouais, c'est quand même plutôt de zone, hein. Faut pas se mentir non plus. Carquois de l'aigle, c'est parti. Efficace. On va améliorer notre dégât, tirer dans le tas. Là, l'aigle, il fait le taf. On va essayer du coup de contourner. Maintenant, on a un cheval avec elle, donc ça va être beaucoup plus facile de caler ce genre de sort là. Allez, tire. Montre-nous. Oh oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, on a des gens qui s'enfuient. Oh, ils ont perdu eux. D'accord. Donc ils sont pas... Ok, donc face aux chauves-souris, mine de rien, ils souffrent quand même. Hein. Intéressant, où sont-elles maintenant? Elles s'attaquent à mon seigneur. Bon, pourquoi pas, c'est pas fondamental non plus. Ici, ça se passe comment? À lui, on lui a rien fait. Hein. Je pense qu'on va plutôt commencer à se concentrer dessus, même si dans la forêt, c'est con, mais c'est comme ça. Et là, du coup, à la place, on va demander à eux de tirer là-dessus. L'aigle, le grand aigle. Tombe donc sur les ghouls des cryptes dans le dos là. Vous, vous êtes dans le bon sens, ou de toute façon vous pouvez tirer dans tous les sens, on s'en fout. C'est parti. Là on l'a défoncé. Ok, ça y est, ça commence à partir en sucette pour eux. Putain la vache, nos aigles, je suis un peu... Il faut absolument qu'ils se reforment et qu'on les perde pas parce que ça ferait chier. On est un petit peu trop loin de tout renfort comme on dit. Ok, les guerriers se ressemblent, c'est parfait. Toi tire là-dessus. Ah zut, t'as peut-être pas un angle idéal là. Attention, on va voir.
Ouais, ça fait extrêmement mal à nos potes. C'est pas très grave. Ici, il va falloir qu'on aille aider, parce que mine de rien, ça tient pas. Là, ça serait pas mal peut-être ouais, de commencer aussi à filer un petit coup de main. Toi, tu peux lancer une petite flèche de Kurnus dans le tas. Ici pareil, on va aller lui lancer un petit souffle empoisonné. Défoncer ça, lui il s'en sort comment là? Attends, il se soigne de fou. C'est impressionnant. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette beaucoup plus de monde dessus. Feu. Là, c'est fait, en avant, sur Herman. Ok, il reste vraiment plus que lui. Non, c'est gagné là. C'est bon, il est en train de perdre sa vie. Il s'effondre. Je pensais que c'était un humain, Hellman. Mais visiblement, il s'effondre aussi. C'est un mort-vivant. Oui, on l'a vu au début de la bataille, il avait ce bonus, tiens. Ok, bon, c'est passé quand même. On, visiblement, on arrive à les sauver, eux. Ah, je pensais qu'ils gagneraient contre les chauves-souris. Mais c'est vrai qu'elles infligent la terreur, alors. Hein. Elles sont quand même très nombreuses au corps à corps. Bon à savoir. Bon, on a souffert un peu plus que prévu. J'espère que Kugas va pas en profiter. On a quand même fait le taf. Hein. Restant un. Qui c'est qui a survécu? Qui a survécu? Qui a osé survivre? Ah ouais, tous les trucs qui ressuscitent. Ah la vache, ça fait que ça fait mal quand c'est pas nous qu'en profitons. Hein. Pour le coup, on va prendre la reconstitution, je pense. Porte étendard royal. Ok. Ghost ou fantôme. Permet les attaques empoisonnées pour nous ou pour toute l'armée. On peut recruter les yeux d'aigle. Ok. Ah, l'armée qui est quasiment pleine quoi. Il va récupérer un seigneur rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut repasser en marche forcée pour reculer de rien. On va juste se reculer un tout petit peu. Prendre notre niveau. Ah, compétence. Est-ce qu'on a quelque chose d'utile? Rang recrutement, capacité de recrutement, pourquoi pas. Les ailes de la forêt. C'est pas mal pour elles hein, parce que clairement elles vont le prendre. Plus de tirs. Ouais, plus de tirs. Non, plus de tirs, je pense que c'est un must-have avec elles, avec leurs flèches là qui font mal. Toi par contre tu vas prendre ça. Et toi, t'as pas vraiment de boost pour les... Pour tout le monde en fait. T'as des boosts pour toi-même, t'es vraiment un combattant. Bon, ça c'est les morts vivants hein. Toutes les unités qui reviennent. Surtout qu'Hellman, je pense qu'il a un très très gros bonus de résurrection. De retour entre les morts. Mais bon, on les a arrêtés, on a quand même assez peu souffert. Même si on prend un peu d'attrition ce coup là, on devrait être capable de les attendre. Même s'ils nous rattaquent, même si on est que en défense. Est-ce qu'avec lui on pourrait avoir un pacte? On peut pas avoir de pacte. Vous savez que je vais vous dévorer, pas vrai? Il est très hostile. Parce qu'il a pas aimé, parce qu'on a fait des actions militaires contre les Lazargues. Il est en guerre. Ah, il est en guerre contre Grimgor, donc ça peut l'occuper quand même. Ok, bon, on a récupéré des sous. Est-ce qu'on peut investir ça? Là, on a tout qui est construit, là aussi. Là, on pourra améliorer des bâtiments, mais bon. C'est pas forcément fondamental. Non, on n'a pas grand chose à faire. Non, toi, c'est l'armée que je voulais sélectionner. Et Shobiti. D'accord que tu peux pas recruter. On pourrait recruter du régiment de renom. On manque d'archers de qualité dans cette armée, donc on va prendre cela. Donc on est juste en soi. Avoir un petit régiment de tireurs de renom, surtout du forestier. Ça peut changer la donne. Hein.
est toujours en défaite valeureuse, on a toujours pas notre tour. Prochain tour on aura notre tour. Très bien. On est de nouveau à 3 là. On pourrait prendre ça. On pourrait aussi prendre... Alors du coup, si on veut jouer l'équipement. Shobiti. Shobiti, Shobiti. T'as pas d'armure, t'as pas d'armes. On a retrouvé des objets, mais ils sont équipés, des auxiliaires. Mais ils sont tous équipés, ok. Et là, on a le Home du Dragon, ouais, l'épée tueuse de héros, qui est pas hyper ouf dans notre contexte. Enfin, le dégât des armes perforantes et le dégât des armes de base... La question qui se pose, c'est est-ce que ça agit sur la puissance des tirs? Parce que s'il s'agit sur la puissance des tirs, c'est clair qu'avec leur 5 tuples flèches, ça aide quand même. Alors qu'est-ce qu'on pourrait enlever pour ça? Autorité plus 2, attaque en mêlée, compagne du faucon, portée plus 8%, c'est quand même très bon. Ça, on pourrait l'enlever, prendre ça plutôt. Peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Chien de chasse, ouais. Non, tu le veux pas? Bah à la place du compagnon faucon. Voilà. Pas à la place, avec, pardon. Et pourquoi on a un petit... Ah oui, c'est parce qu'on a le pendentif de dragon. On avait un petit notif comme quoi on avait un nouveau truc, mais on n'avait pas vraiment de nouveau truc. On pourrait prendre les projectiles enflammés pour avoir le marteau de voule pour les batailles de siège et en plus des projectiles enflammés pour tout le monde. On va le prendre, je pense. Et du coup, on va reforger ça. Enfin, on va améliorer le masque de dragon. Qui va nous permettre d'avoir un petit bonus quand même pas dégueulasse pour Shobiti. Non, elle a le rêve. C'est toi qui l'as? Qui c'est qui l'a? C'est toi qui l'as, le masque de dragon? Ah oui, donc du coup pas vraiment de bonus en fait. Ouais. C'est compliqué. Ouais, on va te redonner le masque de dragon. On va faire un petit peu de switch. Quand il y en aura besoin, s'il faut, c'est pas grave. Vu que la reconstitution nous sert à rien, par contre le bonus de thune nous sert carrément. Du coup, on peut améliorer. On peut améliorer pour 2000. Permettre de recruter des capitaines de clairière là, ouais. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse améliorer ça dans l'autre. Forêt, la forêt hantée. Waouh, notre croissance, c'est pas ça. Hein. Ici on avait mis le bonus d'autorité, ouais. Ça s'améliore l'autorité là? Ça se stabilise un peu. Un petit peu, un petit peu. Ok, bon bah du coup on va passer ça et on va voir ce que nous propose l'ami Hellman. Alors lui s'il pouvait avancer son armée un tout petit peu et attaquer avec nous ce serait cool, mais j'y crois pas. Oh, il le fait! Magnifique. Alors ça c'est beau ça. Alors cette armée par contre était assez peu impressionnante. 20 lanciers squelettes. Bon là j'imagine qu'il va amener ses renforts et retenter un assaut. Ah non il se replie, intéressant. Intéressant. Et cette armée là reste ici par contre. Il a pas l'air d'avoir recruté parce que... Il y a moyen qu'avec les grosses batailles qu'il y a eu, il ait moyen de recruter des trucs intéressants. Bah après, il a peut-être juste plus de thunes. Hein. Ça, c'est toujours vert, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est bien ennemi, hein. Il y a bien la lande noire. Enfin, la lande rouge. Faction détruite, ok. Battez l'armée du seigneur suivant. Maître de bataille, trésorerie plus 1000. Bah ouais. C'était justement... j'avais justement dans l'idée de faire ça. Ok, il recule. Pas de grosse surprise, pas très loin. Victoire de justesse, on perd rien, on va la faire. Enfin, on va la lancer, pardon, comme ça. On va prendre la reconstitution. Alors, remplacer plusieurs batailles très loin de la capitale. Ah bah là, oui, c'est clair. Oh, ça c'est cool. Moins 5% d'usure, ça fait plaisir. Un talisman de préservation.
Et un grand cerf pour Aminou et on réussit notre mission, parfait. Par contre l'attrition va peut-être devenir problématique. Immunisé à la plupart des urnes, on pourrait se mettre en mode raid éventuellement. Au mode campement, mieux encore. Mode campement. Très bien, le mode campement, même se reconstituer un peu. On continuera d'avancer après. Alors ici, on a transformation de Kadon avant qu'un grand aigle. Ok. Ou une malédiction qui entrave l'ennemi. Ok, pourquoi pas. La nuit infernale aussi qui est très très bonne je trouve, enfin j'aime beaucoup. On va améliorer, hein. On l'avait pas amélioré, on va améliorer l'incarnation de Wissen. On sert quand même pas mal, là on va prendre la mobilité. Parce que ça y est on peut. On n'a pas perdu d'unité. On a quand même pas mal de sous. Pourquoi je peux pas recruter du coup? Ah oui parce que je suis plein. Bien sûr. Si je voulais recruter des gens avec bouclier, ce serait deux tours aussi, donc ça vaut pas le coup. On va pas attendre deux tours, hein. On va aller chercher probablement cette ville-là juste après. Qui est une ville de land, hein, donc normalement on devrait pouvoir profiter de son bonus, même si c'est pas vraiment évident, je l'avoue. Ah, là on pourrait améliorer l'arbre. Ça, ce serait pas mal pour 5000 balles. Le chêne des âges pour l'améliorer, il faudrait 10 000 quoi, et ça prendrait 16 tours. Wow. La violence. On peut aussi améliorer nos garnisons. C'est pas dégueulasse. Surtout que quand on va vouloir le soigner, on va avoir plein de trucs qui vont nous tomber dessus. On va faire ça, on va améliorer un coup les garnisons. Ici on est déjà à 15, hein, c'est cool. Normalement arrivé ici, ça va commencer à soigner à Tel Loren. On a plus de relations diplomatiques avec les royaumes. Oh, ça peut aider à décrocher un pacte éventuellement. Et plus de vent de magie. Par contre on n'aura pas de bonus d'ordre public. Est-ce qu'on a des bâtiments pour donner de l'ordre public avec eux? Croissance... Ouais y a ça, autorité. On pourrait faire ça après. Pourquoi pas. Du coup 5000 pour améliorer ça. 10 tours pour le faire. Oh, c'est tellement long, les bâtiments des elfes sylvains, c'est un truc de fou quoi. Ça non, ça c'est pas utile pour l'instant. Dans cette zone là, c'est pas utile. A terme on fera probablement une armée ici qui servira à défendre, éventuellement à aller raser des trucs pour faire de l'argent. Donc pourquoi pas avoir des bâtiments de recrutement, mais pour l'instant les bâtiments de recrutement avancés sont pas utiles, je veux juste la base. Pour recruter très vite des unités s'il faut quoi, en cas de défense, en cas de besoin de défense. Ok, donc du coup les bâtiments améliorés, non. On va avancer un peu par là, parce que pourquoi pas. Ça donne quoi la corruption? Ça descend ici de 6, ici ça descend. On va bientôt passer en dessous de 50. Là ça descend aussi, ouais, parce que ça c'est la même zone. On va pouvoir aller chercher le roc écorché qui n'a pas de mur visiblement. Intéressant. En dehors de la patrie des elfes sylvains, des ogres ou des nords s'ajoutent des murs, donc ça devrait, mais il n'y a pas de mur on dirait. Je sais pas pourquoi, peut-être que Hellman n'a pas droit à des murs. Donc cette zone particulière n'a pas le droit à des murs, c'est le pays Gnoblard après tout. Ok, bon de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.